Est-ce que dans le cadre de vos activités professionnelles actuellement, vous devez porter le masque ou vous devez servir une clientèle qui porte le masque? C'est important de savoir que lorsqu'on cache le bas du visage, eh bien, ça devient difficile de lire les émotions puisque les 7 émotions universelles, eh bien, la bouche y participe et là, tout à coup, on n'y a plus accès. Alors, on perd nos repères. Comment faire pour comprendre l'état émotionnel de l'autre? Je vous donne 3 petits trucs très rapides. Augmentation de clignement de paupières, eh bien ici, on voit du stress. Lorsqu'on vit du stress, les battements de paupières augmentent. Un corps qui se referme serré, pas un petit croisement de bras comme ça, mais un corps qui est fermé serré, les épaules voûtées, les bras croisés, les jambes qui se referment, les mains fermées, eh bien ici, on est dans une protection, donc il y a une peur sous-jacente, laquelle à vous de voir. Ensuite, le corps qui est immobile, qui ne bouge plus, eh bien, dites-vous que la personne, elle est en mode contrôle. Lorsque j'ai mémorisé un texte et je veux être sûre de pas de bien le verbaliser, je suis dans ma tête. Lorsque j'ai une pression et je n'ose pas trop m'exprimer, que je suis en contrôle, que je suis contrainte un peu, eh bien, mon corps ne participera plus à la communication et il sera figé. Je récapitule rapidement. Augmentation de clignement de paupières, stress. Corps qui se referme, protection. Corps immobile, eh bien, contrôle, voilà. Alors, bonnes observations, à très bientôt.